C'est une clé USB qu'on va essayer de faire fonctionner à nouveau. Je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'il y en a à mesure. Ce qu'on peut voir, c'est que a été magané un petit peu. Les dents sont toutes là encore, au moins ça. Mais en arrière, vous voyez, c'est bien magané. Puis la trace que vos capaciteurs est brisée. La soudure est arrachée ici. Pas certain qu'il y ait de quoi faire avec ça, mais on va l'essayer. Je sais que c'est pas trop fluide là. C'est un petit peu mieux. On va commencer par enlever le charging point. Puis on va voir c'est quoi les dégâts qu'il y a en dessous. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, la pad est tout arraché avec le coating sur la board. Fait qu'on va nettoyer les pattes. On va essayer de replacer ça. On va essayer de faire de quoi de bien. Quand on veut nettoyer, c'est on va mettre le teint neuf. J'utilise le teint avec du plomb mélangé là-dedans pour que ça soit plus facile à nettoyer, ça soit plus facile à chauffer. Ce
qui arrive avec du plomb, c'est que le plomb est cancérigène, faut pas le respirer. Mais quand on travaille avec des soudures, ça fait de quoi de beaucoup plus simple à travailler, c'est ça coule comme de l'eau au lieu d'être très rigide comme essayer de bouger un solide de la place. C'est ça qui nous aide à faire de quoi travailler beaucoup mieux. Tiens, ça c'est pas mal propre. Je vais passer une autre fois. Pas frotter trop fort dessus. Sinon, on peut arracher les autres pads. Bon, on va essayer de travailler dessus. Voilà, c'est quoi qu'on peut faire avec ça. Comme qu'elle a de l'avoir sorti de ce qu'elle est supposée d'être là. Je sais pas si elle va faire encore une connexion dedans. Ok, c'est bon. Ça. Je sais pas si vous voyez tout bien. J'ai enlevé le bout qui était pas bon. J'essaie de nettoyer ça un petit peu. Le castor qui est nettoyé, il devrait rentrer back sur sa place. On devrait être capable de la recevoir. Nettoyer ça un petit peu ici. Je pense qu'on va coller là-dessus ici. Là, c'est à peine si je le touche pour pas enlever plus de métal. La couche de métal qu'il y a pour faire le ground. Très important. Là, il n'y a plus rien.
essaye de remettre ça en place. Mettre un petit peu de tin sur le coin pour attacher ça. Après ça, on va le positionner un coup pour avoir mon flux. Mis que ça coule bien, que ça rentre dans les ports puisque le tin focal. Et on va attaquer ça. Essayer de mettre aussi loin que possible. Tiens, ce que je l'ai fait. L'autre côté, j'ai pas. Je pense pas que je vais avoir de chance de mettre rien là. Comme on peut voir, il est déjà plus solide qu'il était. Fait qu'on a des chances, on a pas mal de chances que ça marche. Donc, je vais le replacer un petit peu. Ça. Vous voyez pas, mais il est pas plat trop. Je vais essayer de le placer. Ça va lui donner un petit peu de chaleur là. Comme ça. Je vais essayer d'aller rentrer de l'autre côté. Pas grand chose à peigner là, mais on va essayer d'y mettre quelqu'un pour faire un genre de d'attelage, si on peut, dire casser le reste en place. Plus. Vous voyez, quand je mets pas de flux, ça bouge vraiment pas bien. Flux, c'est de la résine qu'on utilise pour faire couler le tin comme de l'eau au lieu que ça pointe tout d'un pain. Je vais essayer de me recentrer. C'est vraiment pas clair sur ma caméra parce que la caméra est une des plus cheap. Ça. Vous voyez comment est-ce que le liquide passe beaucoup mieux. On devrait avoir un joint qui est plus solide, qui ne bougera pas. Après ça, je pourrais aller repositionner ce capaciteur-là un peu mieux. Juste pour dire qu'il ne s'ouvre pas.
juste pour dire que je donne un peu de valeur. Est-ce qu'on va voir? Encore bien celui-là. Est-ce qu'on parle de côté? Là, il reste une des pattes à ressouder. Puis vu qu'il y a une des pattes qui a absolument rien à souder après, il va falloir que je mette un fil pour passer jusqu'à son point d'attache qui est au résisteur qui est juste à côté. Je vais se voir mieux comme ça. Et dans le fond, il faut que je passe de ça, pointe là, puis j'allais au résistor jusqu'ici. Ça va faire mon attache. On va commencer avec les autres. Je suis de ça, voilà. Comment ça va? Flux. Ça, il n'y a rien de sûr que ça va fonctionner vu que, comme vous avez vu tantôt, les pattes qui ont fait, je les repousse à leur place. Ça fait ça des fois. Ça veut dire qu'il est cassé de l'intérieur. On n'a pas des ports de chargeur qu'on peut changer, juste le charging port là-dessus. Là, ça me prend un petit bout de fil. Dessus, fait que j'en rajoute pas. On va essayer de chauffer les deux morceaux ensemble. Ça va. Maintenant, avec flux, résine, on a un bon contact. On va mettre un peu d'attaque. Il y a des chances que le fil part un peu. C'est pas grave, on pourra la reprendre. Ça arrive assez souvent que ça fait ça de même. Pas vraiment une bonne façon de tienne. Un fil comme ça, pour que ça grouille. Et vu que c'est tellement court, aussitôt que tu chauffes un côté, ça chauffe les deux côtés en même temps. Hein, faut oublier ça. Ça. Tout
dessus, ça touche pas rien d'autre. On devrait être bon. Nettoyer ça un peu. Tout ce qu'il reste à faire, c'est brancher, puis on va voir ce qu'on peut sortir de la tête dedans. Ce qu'on peut sauver, qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon signe. Pas ça, mais j'ai toute la documentation à sauvegarder. Je vais peut-être vous montrer ici. Comme vous pouvez voir, je suis en train de télécharger ce qu'il y a sur Lexar, la clé USB que je viens de réparer. Ça ne sera pas une clé que je m'attendrai que quelqu'un va utiliser bien longtemps encore, mais on a réussi à sauver l'information. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui a une difficulté avec une clé USB, on est toujours ouvert, CellTab Repair. Incapable de nous emmener ça, puis on va faire de notre mieux pour vous. Vous sauvegardez votre information si précieuse.